Bonjour à toutes, ici Skag à la salle. J'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui. On se retrouve pour le 39e épisode de Pokémon Soleil. Alors, la dernière fois, on avait fait évoluer notre Evoli en Filali pour avoir un Pokémon de type plante. Et puis là, dans le fond, il fallait qu'on se rende à la seconde épreuve qui était à la fin de la route 11. Alors, c'est parti. On va y aller. C'est important de tester les résultats de son entraînement en conditions réelles. Nos Pokémon sont remettables, là qu'on va te montrer. C'est bon. Alors, c'est parti. Ok. Ça va laguer un petit peu. Ça, c'est des lags, on va dire normal. Parce que ça lag toujours quand on a un peu plus de Pokémon, plus que deux Pokémon, je sais pas pourquoi. Changer, mettre lui à la place. Ok. Il va se faire mal. Et voilà. Oh, j'ai parti, tant pis, je ferai plus d'efforts la prochaine fois. Ah, j'ai passé. J'ai pas passé assez de temps à la Pokédétente, c'est ça? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ok. Nous, l'ourson et moi, on est super sérieux. Je pense qu'on va battre l'ourson. Je pense. Ok. Désolé pour le bruit. Et voilà. Mais eux. Mais ah. Il existe un Pokémon à Kalos qui aime bien mâcher les feuilles qui poussent ici. Je ne vois pas de qui tu parles. Conseil ou dresseur, il existe une capacité
capacité Z permettant d'augmenter les stats de votre Pokémon professionnel. Là, on va monter des places, des montagnes. Ok. Alors, il y a mort. Un oubliant, elle échoue. Je pensais pas qu'un oubliant pouvait échouer. Ouais, un nouveau train. Ma volonté est déjà un morceau. Désolé pour toi. Désolé d'avoir brisé un morceau. Ok. Rapide ball. Gros champion. Bienvenue à toi, Jean de Cassez. Moi, un petit cristal Z. Oh, je reconnais ce magnifique éclat de risque. Pas de doute, c'est une bêta zélite. Ouvrons cette barrière sans vous attendre. La prochaine épreuve qui t'attend est celle du sexpert. Oh! J'ai personne pour battre ce spectre. Qu'est-ce qu'on va faire? Général du conseil Chris, essaye d'appuyer sur le bouton Y quand vous consultez le résumé d'un Pokémon. Ah ah! Oula! Boudidou? Tu n'étais pas chez vous? J'étais cherché partout. Si tu te trompes, te balader à l'eau, te fera bien grimper sur le dos de Bourgnos. Fais point de manière vain. C'est pour te remercier du coup de main à Gala. Ouais, elle appelle monture. Bourgnos. Je sais, j'aurais pu te le prêter, Brunos, quand on s'est croisé à Malier, mais j'étais trop occupée à admirer ta copine Lily. What? Il admire Lily. N'en doute pas plus. C'est point tous les jours qu'on voit un aussi joli brin de fée dans le patelin. Je dis pas rien. En tout cas, c'était point pour t'embêter, faute Pauline. Bourrerie. Pour la prochaine épreuve, tu peux point te me tromper. Va tout droit jusqu'au village Kotoko. Je vous sais à fond pour votre tour des Zedili et toi. C'est bon. Le roi de la route douce, c'est moi. Ok. Avec ce sabot, ma stock pour une ours peut traverser sans problème. Un petit bulle. Ah non, ça ne passe pas ici. Ok.
La météo à l'heure est tellement douce que ça me donne envie de violence. Les mauvais dresseurs rapportent toujours la faute de leur sauveur par famille. Ouais. Ouais. Bon, c'est bon. On a Brunos. On va nous rester. Je pense peut-être 2-3 ans comme ça. Je suis pas sûre. Alors. On les a jamais combattus. Machou. C'est le tranchant, ouais, correct. Il marche. Ouais. Oh, les deux en même temps. KO, double KO. Mat feu, ouais. Quelle violence. Ouais, ben ok, c'est de ma faute, ok. Oh non, on a enlevé son... il a enlevé son visage. Pas son visage, il a pas enlevé son visage. Il a enlevé son masque et il m'a tout fait, value! J'aurais aimé ça qu'il reste à terre. C'est comme les... c'est quoi, c'est les... comment on appelle ça, les signes de... de... sable, non, de sable. Ça avec les... vraiment là, les crânes dedans. Voilà. C'est l'inferno. Un Pokémon brutal qui n'en fait qu'à sa tête. Selon son humeur du moment, il lui arrive d'ignorer si aimant les ordres de son dresseur. On peut le faire. Mais... 85. Mais je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Voilà. Désolée, hein, si des fois ma tête tourne. La caméra est là, mais le jeu il est là. Donc, des fois je tourne ma tête. J'essaie d'être centrée. Non. D'être centrée, d'apprendre à centrer ma tête. L'important, c'est d'avoir un Pokémon mignon et puissant à la fois. Non! Parce qu'on peut rendre les Pokémon, tous les Pokémon, mignons et forts en même temps. Il n'y a pas de beauté. Il n'y a pas de Pokémon moins faible et moins beau. Tous les Pokémon sont beaux. Voilà, oh, permettez. Pouvoir antique! Ça va faire mal. Pas parfait. Prends un charme. Est-ce que ça peut rater? Ah, t'es pas sauté. Ah, mais j'ai le Pokémon le plus mignon et le plus fort du monde pourtant. Qu'est-ce que ça signifie? Prends Pikachu. Peut-être que tu vas être mieux. Ok. Alors là. Par numéro. Pardon. Pardon. Et moi, je veux. Pas une papse. Ouais. Quoi que j'aurais pu me prendre une super potion finalement. Bon, ouais. Ok, un élixir. Ça c'est bon.
chaud pour moi. Je vais vraiment faire plein de... Excusez, j'ai pas mis. Plein de combats. Pourquoi? Parce que la Ligue Pokémon, je vous l'ai dit, le monde me dit, c'est la Ligue la plus dure que j'ai faite. De toutes les ligues que j'ai eues, même si les Pokémon sont... Pour moi, c'est les Pokémon quand même qui sont les plus bons niveaux. Je sais pas si avant, il y en avait d'autres. Je trouve ça super dur. Je vous le dis, les Pokémon, mettez-les quasiment au niveau 60. On peut peut-être pas, mais je vous dis, je vous conseille parce qu'ils sont forts. Même à 60, même au niveau 60, ils sont vraiment forts. Fêter mes victoires, pleurer mes défaites, voilà mon mode de vie. Ok, tu pleures parce que t'as perdu. C'est pas une attitude, mais là, ouais. Même si tu perds, justement, il faut que tu sois fort. Il faut que tu te laisses. Tu te laisses décourager. Il faut que tu ailles de l'avant. Oui, oui, de l'avant. Voilà. En fait, c'est ici. Un autre dresseur. Entre précision et puissance, le choix est difficile. C'est sûr que si t'es pas précis, ton mouvement ne va pas servir à grand chose. Que pas le bon. Fait que tu peux avoir de la puissance, mais pas être précis. Ou être précis et avoir moins de puissance, mais justement, t'es précis. Oh non, hâte. C'est de la skill. Non, la vitesse. Ok, je pensais. Hâte, c'était la skill. Oh, il est cool le Fury. Magnéton. Magnéton. Je me trompe entre magnéton et magnéton, je sais pas pourquoi. Boulelec. Je pense pas que ça va faire grand chose. Strito 100. On va changer. Changer. Pourquoi? Parce que ça va prendre un petit peu de temps. Ok. J'ai compris, en fait, c'est le talent du dresseur qu'il faut surtout prendre en compte. Ouais, mais c'est sûr que plus tes Pokémon sont de combat, plus tes Pokémon sont meilleurs, et plus le dresseur est meilleur. La côte sauvage du lac recèle de nombreux objets cachés. Un petit coup de matouflair, ça serait bien mieux pour tout. Ouais. Non. Attendez. Attendez. Je n'ai pas fini. PP+.
Je vois pas qu'il y a de Pokémon. Ok. Ici on peut regarder, mais interdit de les capturer. Tous les ramasseurs de cette place sont protégés par les autorités d'Ota. D'Alola. Ok. Approche, laissons nos Pokémon jouer ensemble. On va finir ça ici. Un mambambo. Abri, non! Pas d'abri. Pas d'abri. Pas d'abri. Ok. Et voilà. Mais enfin, si t'as un Pokémon. Si tes Pokémon sont trop forts, comment veux-tu que je. Je m'abuse. Bien m'amuser. Ok, on va arrêter cet épisode-ci. On va combattre lui après. Enfant, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis à commenter, à partager et puis à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Bye bye!